cette mobilisation matinale mais grandiose qui constitue à nos yeux une illustration éloquente de la vitalité de l'UFDG à Douné. Douné reste un bastion imprenable de l'UFDG et nous n'avons, comme je l'ai dit, aucun doute quant à la victoire de notre liste à la prochaine, aux prochaines élections locales prévues le 4 février prochain. La performance de Douné n'est pas simplement la victoire. La performance de Douné, c'est de prendre l'ensemble des conseillers de la commune rurale de Douné. Je sais que vous en êtes capable, il vous suffit simplement faire preuve de vigilance pour contrer la fraude que le parti au pouvoir projette d'organiser à l'occasion de ces élections locales. Votre porte-parole l'a dit tout à l'heure, la population de Douné est UFDG. Il faut retirer vos cartes, voter massivement, mais surtout sécuriser, contrer les fraudeurs, pour que la vérité des urnes s'impose à tout le monde. Aujourd'hui, le parti au pouvoir n'a plus de militants. Tout le monde est déçu de la gouvernance de M. Alpha Condé. Et le peuple de Guinée a décidé de le sanctionner sévèrement à l'occasion de ces élections locales. Et ce n'est pas Douné qui fera preuve d'indulgence vis-à-vis de ce régime. Il faut que vous soyez parmi les premiers qui vont sanctionner sévèrement ce pouvoir. En l'emportant à hauteur de 100% des conseillers qui vont être désignés pour diriger votre collectivité.